ces cinq points très importants qui m'ont pensé, qui m'ont mis en partage avec la population, surtout Ban Ki-moon dans le numéro 18, qui fait un observe votre moi, parce que moi, mon pensée, qui mon seule personne qui est capable de représenter la population en général dans l'île Maurice, avec support numéro 18, parce qu'il nous arrive dans un chemin, dans la croisée, que nous tous bien expecter qu'il va dire qu'il y a un changement dans la situation politique dans l'île Maurice. Right? Mon premier affaire, c'est que mon déclaration, mon PPR, pas un affidavit, c'est que libéral pour mettre un office à disposition Ban Ki-moon de numéro 18, dans n'importe qui doléance qui se tena, je suis capable d'amener cette doléance et là, nous pouvons trouver une solution que nous sommes capables de résoudre ce problème. Deuxième affaire qui est plus important encore, c'est mon salaire. Je peux rentrer dans le Parlement parce que pas la cause, je vais casser pareil pour moi, tout ce Ban Ki-moon là qui me fait dans le passé. Right? Moi, un politicien qui vraiment une retourne à Maurice pour me faire un devoir pour la population, pour me capable d'aider sa population. Ça veut dire mon 157 000 roupies qui, soi-disant, me supposé gagner comme un membre législatif, je peux porter ça avec Ban Ki-moon dans le besoin. Right? Et ça, il faut faire d'une façon bien organisée parce qu'il y a un système que nous pouvons mettre. Qui sont là qui méritent cet argent-là et combien l'argent qui nous sont capables de partager, qui va dire beaucoup de monde capable de bénéficier de cet argent-là. Troisièmement, escalier. Nous sommes dans une situation que le gouvernement d'alors et le gouvernement maintenant, ils continuent à mettre pression le Ban Mauricien pour tirer notre identité. Et nous avons une affaire qui s'appelle Private Members Bill dans le Parlement. Aucun ministre, aucun député scalaire ne pose la question comment nous pouvons subir l'injustice et la pression avec un corps d'identité qui ne peut pas tenir la route.